Salut à toutes et à tous, c'est Mamazou et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de The Legend of Zelda The Minish Cap. On s'est retrouvé dans la Vallée des Rois. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à aller voir la dernière vidéo sur Zelda pour savoir ce qui s'est passé pour qu'on se retrouve ici, beau milieu d'un cimetière. Et là on allait entrer dans le tombeau. Donc c'est parti. Hop. On va les brûler. Ouais, c'est quoi ça, hein? En vrai, il y a une personne qui a une clé, sauf que j'avais déjà commencé et j'ai dû quitter la vidéo. Alors, là, faut prendre le champignon. On va aller par là-bas. Hop là, ok. Alors ça, c'est une fausse porte, ça aussi, je pense. Ouais, c'est la porte du milieu, la bonne. Donc là, on a la clé et on peut y aller. Alors, on va voir ce qu'il faut faire. Si on a un truc comme ça... Faut s'oublier, je pense. Faut s'oublier, faire et aller jusqu'à là-bas, d'accord. Ça va être chaud. Ça, c'est quoi? C'est des blocs avec des clés. Ok. Ça va être un danger avec le triple. Hein. Ok, d'accord. C'est parti alors. On va commencer par la droite. Hop, et on se double. Oh, merde. Faut faire comment? Ah mais oui, je suis bête. Franchement, je suis bête. Allez, faut faire comme ça. Vite avant qu'il y a là. C'est quoi? Hop. Attention. Et voilà, c'est bon. C'est pas compliqué. Hop, on a une clé. Ça fait le premier bloc. On peut l'ouvrir. Et maintenant, il nous faut la deuxième clé. Alors. Hop. Ah, attendez qu'ils reviennent quand même. Attention, c'est parti. Ok, bon, c'est pas compliqué, franchement. Hop. On a la clé. On peut retourner en arrière. Ok. Et là, on va pouvoir ouvrir le deuxième bloc. Pour la suite du donjon. Alors. Qu'est-ce qui se passe? On descend. Il y a de l'eau. Oula, les serpents, calmez-vous. J'ai plus beaucoup de cœur, moi. Alors, s'il vous plaît. Un minimum de gentillesse. Heureusement qu'on a du lait. Je vais en boire parce que là. Ok, on peut en boire que deux fois. Donc, je m'étais trompé la dernière fois. C'est pas trois, c'est deux. On va prendre le bouclier. Ce serait bien là. Il y a une vingtaine de fées. Ok, donc là il va falloir allumer les torches. Je pense qu'il y aura des monstres qui vont venir, ça va pas être si paisible. Hop. Non mais voilà. C'est bien ce que je disais. Tu brûles. Et tu brûles. Oh, putain, pourquoi ils me tirent dessus les trucs là? Putain, c'est pas gentil ça. Ok, c'est bon, on a une grande porte qui s'ouvre à nous. Alors, on va voir. Qu'est-ce qui se passe? Ah mais oui, les gens, c'est pas un donjon. Putain, c'est pas un donjon. Enfin, j'en sais rien. Trois petits points. Jeune homme, je t'attendais. Je suis Gustave, roi d'Hyrule, d'un lointain passé. Je sais que tu cherches à sauver la princesse Zelda, ma descendeuse. Prends ce fragment et rends-toi à la source des eaux. Le fragment t'ouvrira la voie. Le destin de Zelda et l'avenir d'Hyrule sont entre tes mains, jeune homme. Ok, ok, ok. Recevez le fragment du bonheur. Ok. Ça fait tout drôle d'être convoqué par un roi du passé. La source des eaux. Je me demande bien où ça peut être. Pareil, pareil. Ok, donc là on se casse direct. Bon, mais c'était pas un donjon. Je m'étais trompé. Bon ben on va pas s'arrêter là. On va aller tout de suite à la source des eaux. Ça doit être vers là, non? Peut-être là, juste là à droite. On va demander à lui. Ouf, c'est une sacrée expérience de rencontrer le fantôme d'un roi. Je sais qu'il ne pensait pas à mal
il ne pensait pas à mal, mais j'ai cru que mon cœur allait s'arrêter. Là, je remets mon micro, désolé. Il a bien dit qu'il fallait qu'on aille à la source des eaux. Où ça peut bien être? Bon, tu m'aides pas trop, mec. Ici, il n'y avait pas une fontaine de fées, non? Non. C'est un fragment de cœur. Du coup. Voilà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se casser. On va prendre notre flûte, hein. On va pas se retaper tout le trajet. Enfin, l'Ocarina n'a pas notre flûte. La musique de Mario Bros 3. Alors, tout de suite, on va ici. Tout d'abord. Voilà, déjà, c'est un peu plus joyeux, là. Parce que tout à l'heure, on était enfermé. Bon, toi, ton lait, c'est de l'arnaque. Non, c'est un peu trop cher. Alors. Plaine du Nord d'Hyrule. Mais où est la source? Où elle est, cette source? Ça, franchement, je sais pas. Je vois pas où elle pourrait être, la source, franchement. On va aller vers l'endroit où j'avais dit, hein. Oh, ça m'intéresse, ça. Un petit fragment de cœur gratos. Hop, on va l'avoir. C'est fait. Okay, en plus, on récupère tous nos cœurs. Ça doit être par là, non? Il y a un truc en haut, là. Attendez, vite fait. Où je suis dans la carte? Ah, que je suis là. Mais je suis juste à côté de l'endroit où je veux aller, hein. Qu'est-ce qu'il y a ici en fait? Ah d'accord, c'est ça le fragment qu'il faut. Je pensais ça. Ouais, c'est bien ça, c'est sûr, c'est ça. Ok, good. Alors, les deux fragments se sont assemblés. On va pouvoir aller à la source d'eau. Ça devait être que là, hein. Il y a une fontaine d'eau juste à côté, enfin une cascade. La porte de pierre s'est ouverte. C'était donc ça la source d'eau. C'est vrai que cette cascade est la source d'eau du royaume d'Hyrule. Le roi Gustave a dit que cette porte nous mènerait au dernier élément. Allons voir ce qu'il y a derrière. Pas de problème, on va. Ok. On va prendre ça. Chauve-souris, casse-toi. Allez, dégage. Hop. Remonte. D'accord. C'est quoi ce monstre? Putain, il est passé où là? Pourquoi je peux pas taper? Ok, je peux pas taper avec mon épée, hein. Pourquoi? Ne me demandez pas. Ok, on peut pas le tuer. Bon, c'est pas grave, on s'en fout de ce mec. On est où là tout d'un coup? Ok. Ça, c'est beaucoup plus pratique de pouvoir casser les pierres à l'épée. Heureusement que j'ai eu cette technique. Parce que franchement, ça serait vraiment chiant. Hop. On récupère ça. Qu'est-ce qu'il y a vers le bas là, vite fait? Ça doit être un monstre. J'en étais sûr. Ça pue le monstre, ça. Quand les rubis vous paraissent louches, c'est ces monstres, c'est sûr. Là aussi, il devrait y en avoir un. Bon, alors, on va grimper. Grâce à l'objet du mont Gangle, on peut grimper les murs comme ça. Ok, un nouvel endroit où on pourrait se téléporter avec l'Ocarina. C'est bien ça. On va le péter tout de suite. Ça, c'est bien. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Dégage. Il doit en avoir d'autres monstres ici, je pense. Ouais, j'en étais sûr. Ok, alors, qu'est-ce qu'il y a? Dégage. Ok, alors. On va voir ce qu'il y a en haut. Lui, il nous faut ça. Bon, attention où tu vas, toi, non? Allez, passe-moi ton masque. Et dégage. Passe-moi ton masque, toi aussi. Par contre, il y a beaucoup de passages ici. Il y en a deux, trois. On va déjà monter par... On va déjà descendre, je veux dire, pas monter. Alors, où on arrive? Il doit y avoir un monstre ici, ça pue le monstre. Ah ben non. Alors là, peut-être. Ouais, voilà. Allez, dégage. Yep. Pourquoi il y a de l'eau? Je comprends pas, en fait. Ok, il y a des pièces.
Ah, c'est un bel endroit pour pièces, hein. Ok, un rubis bleu. Bon, maintenant, on est riche. Oh, mais il y a beaucoup de rubis ici. Ok. Oh, on arrive là. D'accord, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire ici en fait? Ça sert à quoi? Ok, j'ai pas trop compris. À quoi ça sert quand on va là? Bon, du coup, on va remonter en haut. Il y a une échelle et des escaliers pour monter. On va monter par les escaliers. Hein. Je suis pas fan des échelles. Peut-être c'était pas pour le même endroit. Oh, une fée. Une belle fée. Laisse-moi récupérer ma fée, putain. Maintenant, tu vas le regretter de m'avoir cherché. Allez, viens. Tu fais le malin avec ton masque. Ah, t'es bloqué, hein. Tiens, allez. Ah, c'est quoi toutes ces chauves-souris, là-haut? Viens, toi. Dégage et dégage. Sans rubis, mais putain, ah, je suis riche, là. Et il y a trop de passages, c'est quoi ce bordel? Puis là, il y a une échelle. Et je comprends pas, c'est labyrinthique. Ok, du coup, là, c'est bon. Ça sert à rien de passer par là. Attendez. On était passé par là? Oui. Donc, ça sert à rien, on va passer par le passage de la droite. Voilà, c'est plus intéressant déjà. On peut monter. Oh, on est où là? Source Serra. Oh, mais on se dirige vers le ciel, dis donc. Vous l'entendez, le mec, là? Oh, oui. Et là, il y a un gros tourbillon. Un tourbillon, ça sent mauvais. Mais qu'est-ce que c'est? C'est une tornade. On dirait bien qu'on est bloqué. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Eh ben, on saute dedans. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'envoler dans le ciel. Au-dessus des nuages. Et oui, je suis encore en vie. Mam, tu es complètement fou, quoi. Qu'est-ce qui t'a pris de sauter dans cette tornade? On aurait pu y rester. Mais attends, ce n'est peut-être pas une mauvaise idée, finalement. On dirait qu'on est au-dessus des nuages. On devrait trouver quelque chose qui nous mènera à l'élément en route. On va juste voir, je vais juste voir à combien de temps on est. 12 minutes. Oh, on peut continuer encore. 12 minutes, c'est passé. Alors, Salor, tu es un terrien, mais tu arrives à marcher sur les nuages. Mais au fait, tu pourrais peut-être m'aider. Ma soeur et moi, nous sommes allés à la fête des miniches. Mais on a eu la mauvaise surprise de trouver des monstres en revenant ici. D'habitude, on fait un assemblage avec des fragments du bonheur, des nuages. Ça fait alors souffler un vent qui nous mène chez nous. Mais avec tous ces monstres, on ne peut pas chercher de fragments. On ne peut même pas aller vers les autres nuages à fragments. Tu as l'air très fort. Tu veux bien chercher des fragments et les assembler pour nous? Ok, si tu veux, est-ce que j'en ai déjà? Alors, on va y voir. Non. Mais pas pour toi, mec. C'est quoi ça? On peut le faire tourner? Non. C'est quoi ça aussi? Il y a un bout de nuage comme ça, tranquille. Ok, alors salut. Oh, un beau fragment. Et on est bien embêté maintenant. Oh, mais tu marches sur les nuages. C'est très étonnant pour un terrien. Tu dois vraiment avoir un cœur pur. On dirait Dragon Ball Z que Son Goku qui va sur le Kinto 1 parce qu'il a encore un cœur pur. Mais dis-moi, peut-être pourrais-tu nous aider, ma petite soeur et moi? Nous revenons de la fête des miniches, mais le vent s'est arrêté de souffler. Du coup, nous ne pouvons plus retourner chez nous. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Moi, je le veux bien. Ouais, mais j'en ai pas des comme ça, moi. Alors. Où ça nous mène, ça? D'accord. On peut creuser à dents, non? Ouais, c'est bien ce que je me disais. On peut creuser à dents. C'est un peu inutile de faire tout le tour. Ok, on a un fragment du bonheur. Au moins, ça c'est bien. Il devrait y avoir quelque chose ici, non? Oh, merde. Mais non, mais arrête de sauter. Tu veux mourir, Link, ou quoi? On a rien là-dedans. On va retourner en arrière maintenant qu'on a... Alors, on descend par là, non? Ouais. Maintenant qu'on a le fragment...
Hop. On va l'assembler. Ah non, c'est pas le bon. Lui, c'est un verre qu'il voulait. Merde. Non. C'était le verre, ouais. C'est le verre qu'il voulait. Et j'ai pas de verre pour lui. Alors, le fragment que j'ai eu, il va me servir à quoi, par contre? Je peux pas aller là-bas. On va voler. Ah ben, on a qu'à descendre par là. Voilà. Alors, on va aller voir ce qu'il y a à faire ici. Oh là. Il y a un requin ici, mais qu'est-ce qu'il fait là? Bon, on va pas aller, on va le laisser tranquille, vous savez quoi? Ok. On va voir ce qui va se passer. Ah, où on est là? Hop. J'en suis sûr, il y a un truc caché là-dedans. On va creuser. Ça va pas être lent. Ok, un fragment du bonheur, ça c'est bien. Peut-être qu'on en aura besoin pour l'échanger. Hop. On va y aller avec le fragment du bonheur. Hein. Je pense que ouais. Ok, bon, y'a rien d'autre. Y'a rien d'autre. Là, y'a un tourbillon. Où il pourrait nous mener? D'accord, où on est là? Merde. Dans tous les cas, j'ai envie de voir ce qu'il y a là. Mais non, 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 non. Je voulais pas où y aller, putain. Attendez, hop. Voilà. On va y aller. T'as le micro. Mets-toi bien. Bon, voilà, désolé. Oh putain, j'ai eu un bug là. J'ai peur que ça freeze. Alors, testez le banc là. Yes. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que nous allons voir? Ok. Donc va falloir activer tous ces ventilateurs, enfin ces éoliennes, je sais pas comment les appeler. Hop, maintenant on va passer par là. Hop, on rentre dans lui maintenant. Et enfin dans lui. Alors qu'est-ce qui se passe là? On va tout creuser là aussi. On va devoir creuser, hein. C'est parti. Parce qu'il peut y avoir un fragment du bonheur et c'est très important les fragments du bonheur ici. On en aura besoin pour continuer. Pour l'instant, toujours pas de fragment, mais on continue de chercher. Ça va, Link il creuse vite, heureusement. Hop, peut-être ici alors. Non, 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 et non. Ok, tout ça pour rien. On va voir là d'abord. Oula, attention. Il se passe quoi là? Ça se prend les... On peut les déterrer comme ça. Ouais non. Comment on pourrait les tuer eux? Ils sont vraiment chiants. Ah d'accord. Faut attendre qu'ils sautent. Ok, deux coups c'est suffisant. Merde. Allez viens saute. C'est compliqué à les tuer hein. Ah. Oh putain, c'est chaud. Allez, viens. Ok, d'accord, où tu vas? Mais il fait exprès, putain. Allez, viens, saute sur moi, là, c'est un homme. Mais va te faire foutre, c'est quoi? Allez, tiens, dégage. D'accord. Ok, on a bien fait de les tuer. J'ai bien fait de les tuer. Hop, ça nous fait un fragment du bonheur. Ça c'est bien. On se casse. Ok, ça c'est fait. Maintenant, on devait aller par là. Ok, on va descendre à gauche. Maintenant, par où? Par là, ok. On va voir ce qu'il y a ici, dans ce tas-là. Hop, 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 hop. Devrait bien avoir un truc. C'est bizarre qu'ils mettent des tas comme ça pour rien. Alors, on va descendre en bas.
Ouais, c'est quoi ça? C'est un aptitude? D'accord. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de passages. Je sens que je vais me perdre si ça continue. Y'a rien. Ok, on peut rien faire ici. Du coup, attendez. Oh, il y a un coffre. Je vais y aller, moi. Et on va y aller. Hop, il n'y a pas une autre tornade là, si. Ok, on peut y aller. Hop. Il y a quoi? Un fragment du bonheur. Bah, parfait. C'est ce qu'on veut. Je pense pas qu'il y aura de fragments ici, mais c'est pas grave, on creuse. On va vérifier. Hop et hop et hop. Ok. Bah, c'est quoi tout ce bordel? Oh! C'est quoi de coquillage? Un autre coffre, yes. Encore 50 coquillages, ça nous en fait 100. Un fragment de bonheur. Peut-être ça, c'est pour le premier mec. Parce que c'est un verre. On a bien fait de creuser ou pas? On a bien fait. Hop, hop, hop. Hop. Allez, hop. Bon, par contre, ça fait beaucoup de passages. Hein. Il faut que je mémorise tout. Partout où je vais. On va voir s'il n'y a pas quelque chose en bas. Il devrait y avoir quelque chose, je pense. Ouais. Il va falloir creuser le truc. Ok. On a un petit coffre là. 50 coquillages, d'accord. Oh putain. Ça commence à devenir chiant là, putain. Ok, un fragment du bonheur vert, ça c'est bien. Il y en a beaucoup, hein, c'est... On se fait masse fragments. Hop. On continue de creuser. J'espère que ça va se finir parce que ça commence à devenir chiant. Alors, là, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ben, on va sauter là-dedans dans le vide. Qu'est-ce que vous voulez encore? Sont trop durs à tuer. Merde. Mais putain, je l'ai frappé là, je suis désolé. Ok, d'accord. Putain, j'aurais mis un deuxième coup, il serait mort. Ah non, mais c'est vraiment trop dur. Toi, tiens, toi, viens là. Mais je l'ai... Désolé, mais regardez, je le touche et il sort rien. Putain, allez. Allez, dégage, putain. Ok, tout ça pour rien. Super. Je sais comment l'avoir, peut-être. Hop. Hop. Hop, ok, d'accord. C'est comme ça qu'on les kill. Alors. J'espère que j'en ai un. Ouais, c'est lui. Hop, désolé. Ok, alors là, on est bon. Un ventilateur de plus, d'accord. On se tire. Putain, ça fait vraiment trop de passages. Je comprends plus rien. Ok, un autre fragment. D'accord. Merde. Du coup, il y en avait un là qui tue, je l'avais pas tué. Non, mais où tu sautes? C'est là-bas qu'il faut sauter. On va aller voir le là qui tue. Je sais plus trop où il est, mais on va le chercher. Il était peut-être par là. Je pense qu'il était là. Ouais, il est là. Hop, alors on va le tuer. Hop. Hop. Et hop. Ok, on a très bien fait de venir là. Encore heureux. Yep, un fragment de plus. Les deux fragments se sont assemblés. Pas mal. Qu'est-ce qui se passe? Ok, une éolienne de plus. Il nous en manque plus que deux, les gens. Allez, courage.
Par où faudrait passer maintenant? C'est ça la question. On a à peu près tout fait, hein. Arrêtez avec ça. C'est pas là, ça c'est déjà fait. Ah, c'est compliqué, il y a trop de passages, je peux plus, j'ai pas pu les retenir. Je suis désolé. Il va falloir qu'on cherche. Par la droite. Ok, on va voir là. Ok, ça c'est déjà fait. On fait que aller dans les endroits déjà faits en fait. Ça m'énerve. Alors. Ok. Mais non, mais putain, pourquoi tu fais ça, Link? Bordel là, j'aime pas quand il fait ça. Je vais faire des erreurs comme ça. Mais ferme ta gueule, toi. Ferme ta grosse gueule, tu sais à quoi. Allez, on y va. Je pense qu'il en reste que deux et c'est les deux du début, hein. Faut pas aller chercher à comprendre. Je pensais ça, donc là, j'en train de revenir. Alors, il y a lui, j'espère que je l'ai, le fragment, j'espère que je l'ai. Oui, je l'ai. Encore heureux que je l'ai, putain. Allez, hop. Du coup, une éolienne de plus. Et là, il nous manquait la verre. Et j'espère que j'ai obtenu la bonne verre. Pour ce petit coin, là. Ferme ta gueule, je voulais pas te parler. Alors, j'espère que j'ai le bon. Et putain, j'ai pas le bon. Oh non, ça c'est chiant. Putain, il m'en manque plus qu'un. Ok. Va falloir qu'on cherche, putain. Il manque un fragment vert, un seul. Où il pourrait bien être? Pour pas sauter là. Je vois pas où il pourrait être. Oh, ça me dégoûte. M'arrête. Ah, pourquoi tu revas là? Link, je te hais. Link, qu'est-ce que tu fous? On va vérifier juste au cas où. Il va falloir qu'on creuse bien partout là. D'ailleurs là, j'ai pas creusé bien. On va voir s'il n'y a pas un fragment vert. Allez, hop, on a que ça à foutre. Et de ça pour rien. On y va. Cette fois-ci, on va bien chercher. Peut-être que lui, il faut le tuer, hein. Ça se peut, lui, il faut le tuer. Ça va être chiant, comme d'hab, de le tuer, ce bouffon, là. Ok, un coup. Bon, d'accord, allez, où tu vas? Ok. C'est vraiment con, ce requin, là, je sais pas ce que c'est. Un requin qui est dans des nuages, va dans l'eau, là, je sais pas qu'est-ce que tu trames ici. Ok, ici on avait cherché, on avait trouvé un fragment vert la dernière fois, on va rechercher. C'est juste au cas où, hein. Alors, c'était ici qu'on l'avait eu. Allez, hop, hop, hop. Allez, vas-y. Rien. Allez, allez, le dernier. Ok. On va d'abord en bas. C'est déjà fait ici. Donc on se casse. Et par où on pourrait passer là? On va d'abord faire le haut. Ici on avait déjà creusé, mais on va recreuser tout. Eh oui, c'est la galère. Hop. Y'a rien. Y'a vraiment rien. Je veux un fragment vert, c'est trop demandé. C'est trop.
trop demandé ou pas? Allez, dites-moi. Hop, hop, hop. Hop. Et... Hop. Ok, rien. On va tomber là-dedans. Ok, là, c'est déjà fait. J'ai l'impression... Oui, c'est déjà fait. Putain, mais où j'aurais pu manquer le fragment vert? Il n'y a rien du tout ici. Par où on pourrait passer là? J'ai tiens fait le haut d'abord, donc on va faire la... le haut. Et où tu vas? Va dans la tornade, s'il te plaît. Ouais, je t'ai pas dit de tourner en haut, mais ok. Il est vraiment con, Link, des fois. Mec, il tourne autour de la tornade. Va dedans si tu veux survivre. On va y voir ce qu'il y a en haut. S'il y a rien du tout, c'est pas grave, on cherche parce qu'on a que ça à foutre. Ok, y a rien. Encore. Les derniers, y a rien. Où es-tu, le dernier fragment? Dis-le-moi, s'il te plaît. Je te cherche partout là. Toujours rien. Là, ce qu'on va faire, c'est que. On va aller dans le bas, mais de la droite. Là, c'était là où on était tout à l'heure. On va aller là, en bas, ici. Ça devrait être là. Hein. Sauf qu'on peut pas passer, putain de merde. Comment on pourrait passer de l'autre côté? Ça, c'est la question qu'on se pose. Alors, hop. Essayer de passer de l'autre côté. Est-ce qu'il y a un passage par l'autre côté? Attendez, on a fait tout le détour là. Putain, non. J'ai pété un plan, s'il vous plaît, arrêtez. Oh là là, mais non. C'est galère. Allez, dégage toi. Et c'est vraiment galère là, qu'est-ce qu'il faut faire? En tout cas, déjà je sais où il faut aller. Mais comment on peut faire pour y aller, mais je sais, ça je sais pas. Faut aller dans celui-là du bas là. Ouais, je vais arrêter de faire ça là, putain, c'est pas possible, bordel de merde. Je vais qu'en retourner au même endroit là, sans me rendre compte, putain. Ok, allez, hop, on pourra aller. C'est ici que je vais aller là, c'est juste en bas. Par contre, il y a des putains de... Il y a de la neige, je sais pas ce que c'est là, mais ça nous bloque. Comment on pourrait passer? Non, non, non. Bien joué. Là aussi, on est bloqué par la neige, c'est pas possible. Ok, alors, on va creuser ça, peut-être qu'il y aura un fragment. Allez, creuse. Ouais, je sais, c'est lent, c'est chiant, mais c'est pas ma faute. C'est le jeu, je sais pas qu'est-ce qu'il aurait passé dans leur tête pour faire une phase comme ça aussi nulle. Alors, hop, hop, hop. Et hop. Qu'est-ce qu'on va par là? Ta gueule, ta gueule, ta gueule. C'est par là. C'est possible. Oh, mais ça a l'air plus que possible déjà. Parce que la dernière fois, on était allé en haut. On était pas allé là, je pense. Hop. Du coup, là, on monte là. On est où là? On va redescendre en bas, c'est ça? Ok. Ok, là, il va falloir tuer les requins, je pense, non? Il faut tuer les requins. Ok, lui il est mort, c'est bien. Il faut que je tue.
C'est compliqué de les tuer là. Putain, mais non, il me reste plus beaucoup d'énergie. Oh oui. Oh, un fragment jaune, c'est pas bon, c'est pas celui-là que je voulais, les gens. C'est pas celui-là que je voulais, les gars. Non, vous abusez là, il m'en fallait un verre. Moi qui étais content là. Bon, peut-être qu'il va servir lui aussi. Alors, on est où là, putain? On est où, s'il vous plaît? Coquillage, rien à foutre. Par où il faut passer là? S'il vous plaît, je suis où? What? Il y a un trou? Arrêtez, s'il vous plaît, je suis où là? Ah, il force Nintendo, c'est quoi ce truc? C'est un labyrinthe, c'est pas des nuages. D'accord. J'en veux un bleu, s'il vous plaît. Un bleu. Un vert, qu'est-ce que je dis? Pas de fragments bleus. Ni jaune, ni rouge. Un vert, c'est trop demandé. Vous aimez pas la couleur vert ici? Oui, c'est tout bleu, et alors? Enfin, c'est blanc. Et bleu. Ah, un vert. Hop, micro, tu restes là. Où est-ce qu'on pourrait voir nos fragments? C'est là, je pense. Oh oui, je l'ai récupéré. Enfin, c'est bon, on va pouvoir achever l'épisode. Ce qui dure un peu trop là, je pense. Ok, bon, c'est cool. On a enfin le fragment vert là. Oh putain, mais c'est vraiment chiant. Hop. Ouais, je sais même pas pourquoi je continue à creuser. Oh. Et on va pouvoir faire ça. Et hop. Alors. Tac. Non, ça va faire l'éolienne. Donc le vert, c'était pas le banc. Mais le vert, il sert à quoi alors? Alors qu'est-ce qui se passe? Ok, il y a une tornade. Non mais reste là, toi. Je voulais te donner un fragment, espèce de bouffon, va. Bon. On va pouvoir y aller. On va rentrer par là. On peut pas passer. Ok, c'est presque fini. On passe par là. Ok. Là, si je me rappelle bien, c'est par là. Ok. Si, si, faut aller. Si, si. Voilà. Et là, quand on descend, on arrive. Est-ce que c'est là? Ouais, c'est même pas là, putain de merde. Non. Ah, si, c'est là. C'est bon. C'est franchement un labyrinthe. C'est franchement un labyrinthe, ce truc. Ok, là, on rentre. Et on y est. On rentre dans la tornade. Ok, alors, on peut sauvegarder, on peut mettre le carnet. Encore un symbole du vent, d'accord. Qu'est-ce qui se passe ici? On a bien pu Qui a bien pu construire un bâtiment au-dessus des nuages? Ouais, c'est vrai que c'est chelou. Il y a peut-être des gens à l'intérieur. Et avec un peu de chance, ils pourront nous dire où se trouve l'élément. T'as raison, mec. Ok, on y va. Bon, les gens, je pense que ça fait assez... On se donne rendez-vous dans le prochain épisode la semaine prochaine pour la suite de Zelda The Minish Cap. Ça a l'air intéressant. Là, on a fait la partie short, mais maintenant, on va s'attaquer à la partie cool. On se retrouve la semaine prochaine, comme je l'ai dit, lundi. Ciao tout le monde, c'était Mam. Bye.